Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans Live ça que nous connaît Ticket Magazine régulièrement porté pour nous. Et je dis à pour présenter lui, c'est moi-même Cindy Ducrépin qui a pour recevoir un artiste qui a évolué assez longtemps dans la musique ici en Haïti. Mais nous-mêmes dans Ticket, nous pouvons pas jamais une chance de parler avec lui sous plateau. Nous. Je dis à nous pour recevoir Jeff Prosper et Nabdili. Bonsoir, bienvenue dans Ticket. Bonsoir Cindy, bonsoir toute super brochée de Ticket Magazine Live. Mm-hmm. Et son plaisir pour que me grabe dans Kayla Jodia pour venir parler, pour venir discuter et faire des débats ensemble tout ça. Tout bagaille OK. En forme mais pour. En forme. Pour nous commencer Jeff, j'aimerais t'ab dire là dans toi, c'est première fois nous recevoir là Jodia et faire public là, faire connaissance avec ou qui est-ce qui Jeff etc. Dis-nous tout bagaille. Ok, justement, moi c'est Jeff Prosper, moi c'est musicien, chanteur, compositeur qui en pile nous connaît déjà. Mm-hmm. Donc, et moi j'ai évolué pas mal de temps dans le secteur musical haïtien. Moi travaille avec pas mal d'artistes, donc Wendy Traka que nous connaît, qui sont rappeurs. Je travaille avec Stanley George, je travaille avec Trouble Boy, je travaille avec Wichel. So, moi là j'ai évolué, je suis un jeune artiste et qui a travaillé, qui a un objectif. Et qui fait de la musique que un peu là nous connaît déjà, donc là c'est ça, c'est moi ça. Ok, mais depuis qu'il a évolué dans la musique, comment l'histoire avec la musique t'es commencé? Et normalement, j'ai commencé à chanter depuis l'église. Mm-hmm. Donc, c'est musicien, bon jouer batterie normalement. Donc, on peut parler de mon carrière et de évolution vraiment dans la musique. On peut dire c'est après 12 janvier. Et que je devine prendre bah au sérieux, je devine ouais la vie, hein. Je devine ouais comme si j'en vis le monde comme si y est. Donc je dis peut-être merci que ma fond bah je veux dire c'est depuis qu'on y a. Donc c'est depuis qu'on y a mon travail sur rêve moi, sur objectif moi. Donc c'est musique que je voulais faire. Donc je dis peut-être moi yo entamé une autre étape dans la vie mais avec musique que moi je m'appelle. Donc c'est ça qui m'aime je veux dire, c'est ça qui fait de moi Jeff Prosper je veux dire. Mm-hmm. Donc, carrière professionnelle, nous avons dit commencer à partir de 2010. Yeah. Ok. Mais là, où tu es quand tu chantes l'église? Donc, où tu es chuté ou bien je chrétien ou remédia? Et je ne vais pas dire chuté. Parce que pour moi, j'aime toujours l'église. Toujours à l'église normalement. Donc, juste comme si je choisis un autre style de musique. Mais ça n'a pas empêché que comme si je suis toujours à l'église, ni comme si je toujours continue à chanter pour bon Dieu. Mais dans le moment, je dis que je fais business. Pour moi, ça me dit là. Donc, et musique, moi, mais donc, mais c'est utiliser de façon pour que je vive, de façon pour que je fasse business avec elle. Mm-hmm. Donc, je me dis, c'est ça, mais c'est pas comme si je quittais l'église, je quittais bon Dieu, et puis après, je l'ai fait comme. Ok, écoutez, bon, sans doute, le plus souvent, là, on monte l'église et les. Bon, je ne vais pas dire chuter, non, genre, mon yore média, mais li ok par exemple ou même qui décidait d'aller évoluer dans l'autre registre mm-hmm. et un parent au compte tirer pied comment ça a été beaucoup de bon normalement c'est pas parent qui levé l'église son bah que mon écrite grandit et puis juste tirer ça pour compte moi donc c'est pas comme si me dégage ou c'est parent qui était qu'on a forcé à l'église tout ça et en plus moi c'est que parent c'est des monde comme c'est qui compréhensif. Donc, ça qui est plus important pour eux, c'est éthique. Hein. C'est comme si, est-ce que je suis toujours quelqu'un même monde que moi? Est-ce que comme si ça m'a fait là, il n'est pas comme si changer monde que moi? Donc, effectivement, mal font l'autre style de musique, mais j'ai toujours été Jeff Prosper. Petit monde qui est connaissant, sage, respectueux. Et puis, donc c'est ça. Mais c'est pas bien vraiment inconvénient. Comme si par exemple, t'es peur, est-ce que je vais comprendre? Ça. Ok, où tu commences carrière professionnelle ou en 2010 après tremblement de terre là, où songe à qui musique où t'es lancé? Yeah, et c'est ton musique qui t'est les yorali, musique que m'te fait les yorali. Mm-hmm. Titre là montre que c'est est-ce que l'été a un rapport avec tremblement de terre 2010 là? Non, musique ça m'te fait c'est pour parce que l'été commencé m'pas tout commencé comme si dans monde compare. Dès qu'on chantait avec BIC, on chantait avec Bello. Jean Pi Social. Yeah, exactement. Donc, musique, ça n'était pas comme si de départ, moun yo qui a quitté le pays en masse. Ah, migration. Yeah. Mm-hmm. Donc, c'est une musique comme ça que je me défais.
Donc et c'est ça tout qui d'après le fait moi comme si que un gain talent façon que comme si monde dans zone bon la caille moi qui connaît élève l'école moi tout ça. Donc yo vite yo aimer musique quand yo apprécier le partager donc parce que me des font bon choix et c'est ça qui t'apporte vraiment même plus motivation pour me décaler travail et qui vient une bail comme si dernier pouce du sac nous voilà qui c'est Jeff Prosper qui fait innocent qui fait m'apprendre avec Wendy mm-hmm. qui fait fatiguer et tant d'autres l'autre. Ou dit élève l'école ou t'es très apprécié ça qui l'a ajouté gain dans tes fait musique ça qui l'a ajouté gain on ca dit dans 14 15 ans bon. Et qui l'a joué connait on va quand faire addition et ça que ça et ça me va écrire me tout but et on fait 26 ans là oh jeune petit monde mm. OK dès 14 15 16 ans OK 11 ans après bon c'est dans arrière comme si quand même OK mais là Jeff nous connaît connait ou se dit là avant c'était ou t'es lancé avec un registre social etc. mais là Jeff c'est l'amour pour qui ça OK nous toujours faire social. Nous toujours faire social, c'est pas comme si me dit tête moi comme ça me quitter musique sociale et que mal fait comme si on l'autre style de musique. OK? Donc j'aime toujours dire et tout côté me passé nous sommes monde moins inspiré par rapport avec entourage moi par rapport avec ça m'a vivre et ça m'a traversé. Oui, nous toujours écrit musique sociale parce que moi comment pays a des déroulé dans moment mm-hmm. donc il y a des musiques que j'ai toujours espéré de eux-mêmes mais mon yo plus qu'on aime sur musique love OK même parce que puis devant ou bien très bientôt on va le découvrir dans des séries de l'autre musique que m'écris sur environnement de pays à tout ça mais pour qu'on a mon connaît que son monde qui fait musique pour l'amour donc m'exprimer ça me senti m'exprimer comme si ça m'a traversé Si nous pas prendre dernière musique ou sorti là, nous n'a prend musique ou te gain avant yo, que ce soit fatigué, innocent, mais Jeff pas chanté de l'amour comme si ou sorti dit là que et soit senti ou chanté, mais on dirait qu'on pas vivre qu'une histoire qui joyeuse en fait, qui joyeuse dans l'amour. Donc c'est l'amour toxique moi puis chanté. Non, c'est ça me sorti tout à l'heure comme si malheureusement beaucoup comme si vraiment dévoiler des séries de musique qui parler de ça mais parce que dans premier album moi qui pral qui pour sortir pour année 2022 donc je pral ca découvrir de tout ça comme si que me vivre de ça me sentir de ça qui fait que me content de ça qui fait me fâcher parce que objectif là c'est ça c'est exprimer tout ça me sentir et pas seulement comme si faire des musiques comme si qui personnel à moi moi me parler comme si dans non monde moi parler dans sentiment monde donc parce que dans un moment, il y a plus de relations crasées. Donc, je pense qu'il y a plus de gens qui ont envie dans nos musiques, côté que y a un compte à ménager, y a un problème avec ménager. Et comme ça, tout, par exemple, la dernière musique que je suis sortie là, qui c'est moins envie. Donc, son bail que nous vivons chaque jour, nous avons chaque jour, nous texte, nous écrit, nous dit que nous en ville, nous dit que nous avons un paquet de bail de lit. Donc, je pense que et actuellement, la Jeff a travaillé pour pouvoir plus de bail, pour pouvoir plus d'écriture. De comme si message que je vais passer dans la musique. Je m'apprends, nous sommes à dire l'un et toi, que c'est une musique que fait avec Wendy, et c'est une musique tout qui t'est vraiment mis tes projecteurs à sous. Yeah. Parlez-nous de musique ça et de circonstances qui t'est mené collaboration entre même avec Wendy. Bon, normalement, l'aime vient sortir innocent, on va dire c'est innocent qui vient comme si fait mon commence à découvrir. Et puis on dit tant des musiciens qui remel et puis il fait contact ensemble avec moi. Donc c'est lui qui contacte directement. Yeah, et puis il dit que il t'a aimé nous font musique ensemble tout ça. Et ça a été fait seulement un jour. Il écrit moi dans l'après-midi bloc 4h. Il dit m'a aimé nous font projet ensemble tout ça bagaille. Il était les organes il dit que là route l'a venir et puis bloc 6h il passer pour me la caille moi et puis nous fait toute soirée à travailler ensemble et puis nous font belle musique ensemble. Et m'a dit c'était un grand plaisir pour moi pour me faire musique avec une rappeur que vraiment pile. OK et ou ca imaginer comme si Laurent mon un rappeur et puis pour ouais ou même en tant que un musicien pour aller faire musique avec elle donc bah c'est que c'est ça qui vient faire toute connexion ça et qui bail modèle énergie ça. Et comment bien c'était dans studio parce que ce t'a dit là un rappeur qu'on aimait ou gain chance travailler avec lui. On ca comprendre ça dit c'est ambiance
qui est content et puis vibe maintenant, puis l'énergie, vous comprenez? Et puis pour jusqu'à ce que nous font bagarre ensemble, nous réaliser ensemble. Et ça qui fait le plus plaisir, c'est que son musique qui gole, on va avec au terrain rêver faire au monde. Et puis pour ça a réussi, tout le monde aime. Moi c'est que c'est une musique et dans carrière Wendy et ni dans carrière tout qui fait plus millions de vues, qui gagne pile, qui te gagne pile attente et qui bat en pile comme si en pile résultat en termes de hit. Mm-hmm. Donc on a dit ça. Ou sorti pas mal de projets en solo tout. Moi fatigué, gain innocent et dernière musique là où sorti à qui c'est moi en vie, mais projet assez qui ça. Ou so, tu as parlé d'un album, pas vrai? Yeah. Donc, projet c'est un album, projet c'est un album parce que moi c'est que m'pas voulais seulement mon Jeff Prosper qui juste a fait grande musique, même voulais présenter tout un package, tout comme si un projet, un bagage comme si yo ka gagner pour 1 an, 2 ans, yo ka consommer, yo ka enjoy artiste. Parce que nous jouons des critiques côté que dit artiste là, on pas produire souvent, on pas ba nos musique assez. Donc moi c'est que année 2022 mon a jeune musique en quantité et en qualité. Justement d'avoir aller venir sur ça, il y a monde qui a dit bon Jeff, li gon carrière en dans de si pour me parler que li gon carrière mode la guerre parce que au petit moment li bon on gagne musique après ça pas tendre li encore. Si on monde dit ça, qui ça va répondre ni et qui ça fait ça? Bon, et moi c'est que l'aime te fait comme si fait première musique mais qui c'est innocent dont il est jeune comme si beaucoup gain expérience assez gain baï que beaucoup comprendre gain baï beaucoup ca gérer parce que l'on fait font hit ou jeune tout monde capre l'eau jeune tout monde cap bon conseil ou jeune tout monde qui veut travailler avec et des fois qu'on pas connait qui ça pour faire qui choix pour faire et parfois qu'on font choix ils sont mauvais choix des fois tout choix que refuser peut-être c'est l'idée qu'a bon pour vous comprenez? Donc vu avec un paquet de bonnes expériences, des bagages qui sont difficiles que m'tape vivre, donc ça vient faire que mon petit genre ralenti. Des fois au contraire avec des séries de monde, commencer travailler avec elle. Motivation que vous même ou gagne, c'est pas lui même que le gagne. Vous comprenez? Donc ça vient faire que ou tellement compter des séries de monde ou tellement essayer chercher un bagage pour tout laguer pour tout pas camper mais malheureusement des fois il ralentit. Donc m'apprendre de tout bagage ça de secteur de comme si ça qui gagne qui positif et négatif. Donc là qu'on y a on a dit que vraiment parler m'parler parce que m'apprendre assez donc qu'on y a me dit tête que m'ka vraiment canaliser tête moi côté que m'veux aller à et yo ka on Jeff qui plus présent on Jeff qui plus actif on Jeff que peut-être yo va découvrir plus bagarre et que yo va aimer plus. Ben nous exemple de on va positif ou apprendre de secteur à jondi là et on va négatif tout côté vivre. OK, normalement longtemps me penser que depuis me fin font hit et puis ça finit donc moi je joue tout le monde là tout comme si mon DM donc moi le cas tout ça me besoin donc je viens comprendre que le premier travail là c'est moi pour faire d'abord je pas obligé comme si tant au monde à faire ça pour moi à faire ça pour moi vous comprenez donc quand c'est moi qui a décidé c'est moi qui gagne rêve là donc c'est moi qui pour bal direction et puis l'autre reste équipe là l'autre reste monde va le rejoindre nous et on va aller dans les dépôts là donc m'apprendre de tout ça donc quand il y a vraiment comme si parce que c'est qui ça lié un peu on pas veut comme si elle fait des choix personnels et qui prend la game pour compte moi pour me pas joindre des critiques pour mon pas dire comme ça ah ou tellement pas par amour ou tellement pas demander conseil au moins ça me dit là donc qu'on a là vraiment apprendre de tout bas ça donc là on pense que me paré et que il y a des bagages qui pas privé encore et il y a des critiques que public n'a pas vraiment ben moi pour encore parce que là vraiment préparer pour tout bagaille qu'on a. Et des fois ça fait un artiste qu'on gagne un staff tout qui a aidé le gérer tout ça. Est-ce que Jeff gon staff avec lui? OK, auparavant non. L'aime de faire commencer non. Mm-hmm. Mais là qu'on a mon staff qui a travaillé ensemble avec de concert et que n'a partage un paquet de bagages ensemble et n'a travaillé sur projet en pile de façon pour que nous capable résultat de toute équipe là. Moi envie ces dernières musiques que vous faites sortir là. Et en parlez-nous de morceau ça, est-ce que c'est vous qui écrit les, dis-nous tout détail sur les. OK, moi envie c'est une musique qui produit dans Osaon par Kairemo. Yeah, dans Osaon par un jeune producteur qui est Wendy Lapointe. Et monsieur vraiment bon, monsieur travaille vraiment bien donc moi c'est que pour monde qui tente des musiques là, il va ouais comme s'il travaille là tout. Donc et musique là écrit par moi-même parce que majorité musique moi c'est moi qui écris.
Mais tout connaît depuis qu'on est studio, on vient des idées, on vient des monde qui propose des bails, soit parce que sur fait ça plutôt tout ça. Donc moi c'est que c'est toute une équipe qui permet que musique ça capable réaliser, mais qui c'est initiative moi qui c'est idée pas qui c'est moi envie. OK, et parlez-nous de histoire ça que musique ça raconter. OK. Pour bien dire musique moi envie auparavant c'est ton musique que me défecter les rien pour rien. Et puis les moi venir dans studio à me dit nèg ah mais ça me gagne mais ça me le fait. Et puis vibe la changer. Vibe la changer et puis me trouver une faire musique là qui c'est moi envie. Moi envie c'est une musique qui a parlé comme si m'a exprimé ma au monde. M'a dit de tout ça que m'a envie. M'envie faire avec de tout ça que m'a imaginé ensemble avec elle. Mm-hmm. Donc et bah, mais là comment son musique là tu pas de venir pour être. Yeah. Donc pas de venir pour être c'est qui ça allait c'est que en pile fois pour nous au monde ou just well. OK, long garçon ou fille. OK, moi personnellement parce que m'pas veut parler pour tout le monde. Mm-hmm. Chaque monde a opinion de fille. Les mon fille, on ka dit tête moi est-ce que ça son monde vraiment font relation sérieuse avec elle? Est-ce que son monde tourne juste les voulait pas son moment avec elle? Et comme ça me toujours fille. Depuis moi l'esprit me tout dit mais qui ça me va faire avec mon ça? Donc le plus souvent au con mon monde on dit waouh mon ça belle mais en forme comme d'avoir son bel moment avec elle. Et puis habitude nous tellement à enjoy tellement comme ça bien passe ensemble et puis habitude d'une créer et l'autre pense comme si c'est ton monde où t'es juste à bah on t'y frappe et puis pour aller nice aller et puis sortir dehors et gado ou après mais ou d'amour ou sortir ou avec parents présenter ma des mariages tout ça. Mm-hmm. Donc c'est ça après moi envie ou sort dit là que pour 2022 ou bien album ou sortir est-ce que ça veut dire toute musique ça on était connait avant d'après jeune sur album là quelques donc qui est-ce donc nous t'as supposé jeune fatigué. Mm-hmm. Et puis moi envie et avec prochaine musique que moi va sortir là très bientôt justement d'avoir venir sur ça prochaine musique là c'est à qui musique et c'est à qui artiste bon peut-être que parce que me connaît déjà mais yeah justement et Wichel t'a annoncé lui même personnellement ça fait un bon petit temps et que nous avons musique ensemble. Et moi, bon, c'est que pour mois d'octobre, fin mois d'octobre à novembre, il y a une nouvelle musique de moi avec Wichel. Il y a sorti avec toute vidéo, comment ça? Toute vidéo. Qui titre? Je préfère quitter mon nom à le découvrir. Pas faire ça, au cas de nous. Ok, son musique qui a pris les séparés. Séparés. Donc, séparation, etc. Yeah. Toujours même l'amour qui n'est pas trop. Oui, mais là, cette fois-ci, il y a une possibilité pour nous que nous réconcilier. Ok. Parlant de Wichel, justement, je pense que j'aime l'époque où tu as eu un pile curiel de live sur Internet, là, Wichel te font live. Et ou même tu as participé sous live, ça, où tu as chanté en musique avec Wichel, que j'aime très bien. Doudou en moins, voilà. Tu as remplacé Anthony. Pas remplacé, je suis juste interprété Anthony. Bon, là, je dis remplacé, c'est parce que habituellement, Wichel compte chanter avec Anthony. Yeah, voilà. Yeah. Donc, parlez-nous de l'expérience à côté fait. Bon, et je dis que c'est ton plaisir. C'est ton plaisir. Parce que Wichel, c'est un artiste que je aime. Que je aime pour fougli, pour talent, tout ça. Donc, elle était fait par Dieu ça. Donc, on était content de nous répéter, nous grave ensemble. Et puis, bon, c'est que c'est un bel moment que je me passé dans la live. Ça. C'est staff Wichel qui t'a contacté ou bien? Wichel personnellement. Ah, parce, okay. Yeah, Wichel personnellement. Ok, ou pas voulez dire nous plus sur l'album là tout? Ou pas voulez bon? Bon, qui ça m'a dit? M'a dit que là dans le moment, publiquement, monde qui remet en pile et qui prend quelqu'un pour découvrir mieux. Donc moi c'est que c'est reconnexion ça que n'a fait là. Donc il y a ouais jeune musique plus souvent, mais année 2022, c'est sûr que il y a un premier album Jeff Prosper. Titli? Non, beaucoup. Bon kabaiti parce que on connaît tout autant que ou vraiment beaucoup gain album dans qui fin préparé des fois le cas difficile pour faire un choix de un titre ça qu'on arrive que ou ton titre dans tête ou dit ouais m'va faire un album qui après les comme ça et que m'a assuré que musique que m'va faire ou vraiment gain rapport avec lui mais là plutôt me découvrir m'vle plutôt que c'est énergie comme si ça me vraiment a dégagé à travers titre et qui va le bailler vraiment petit album dans global.
Musique à Outchel n'a pas son album là. Exactement. Qui l'autre artiste n'a bien et tout. Bon, on pas voulu dévoiler là pour Kounia. Mais moi c'est que nous supposons que et on l'autre fille pas besoin de nous et nous supposons que Raymond. OK. Et je suppose qu'il y a des de l'autre jeune que monde beaucoup connaît que artiste fille ou abdi yo jeune ou bien ya yo jeune comme si vraiment comme si pendant que il gon musique cap marché ya et puis m'vle chanter avec de l'autre jeune tout qui comme si pour vraiment gon lumière et que plein l'autre qui gagne en pile talent et que m'ka faire l'autre monde découvrir tout OK m'pa mande aussi artiste you know yo gen musique cap marché dans moment ou bien qui titre li je vais demander ça. Bon, je vais demander quand même. Je vais demander quand même. Bon, pour commencer, nous avons connu que Wichel déjà, qui sont fils sur l'album. Mais j'aime tout là, l'album, je voulais quitter comme si artiste comme surprise. Ok, yeah. Bon, vague. Gaye, Bella, il y a un peu que artiste toujours aimé, c'est connexion avec le public là. Faire des prestations, des possibilités pour faire des tournées, etc. Mais là, ici en Haïti, pratiquement pas d'activité qui permettent nous jouer live, pas vraiment de bal, pas vraiment de programme, j'aime mieux les médias. Comment vivre ce moment ça? Bon, c'est très difficile. C'est une des plus belles sensations qui gagne l'offre en musique et que nous aimons bien. Et pour eux même artiste en connait capable jouer musique ça avec nous. Donc moi c'est que il est vraiment difficile mais nous obligé continuer faire travail nous parce que moi c'est que bah pas prêter comme ça. Donc moi c'est que a une possibilité quand même pour nous retrouver ensemble pour que pays a fonctionner normalement car gain balle car gain toute activité. But nous sont artistes, nous pense que ça a vraiment affecté moi. Vous comprenez parce que c'est de ça que je vis. Et l'ambiance, il faut gagner. Il faut me sentir comme si le travail est fait, il faut me sentir le travail est arrivé comme si c'est sur le monde. Mais pour jouer toute vibe, ça, toute énergie, ça, je pense que faut nous vraiment reconnecter le public. Il faut jouer, il faut gagner des séries de balles. Donc, n'attendre. Mais j'aime tout le monde vraiment, c'est vraiment difficile. Et ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour des séries de l'autre artiste. Parce que j'ai un artiste qui fait plus qu'un mois, deux mois, je joue tout le temps. Donc imagine qu'on a et ambiance qui c'est en pratique pour artiste ça donc le gars doit pas gagner donc ben, c'est que là vraiment difficile. Et comment gérer ça? Comment vous dites que c'est de survivre mais pas des prestations comment gérer? Mais nous sommes producteurs avant tout. Ça veut dire que je travaille avec des séries de l'autre artiste, m'écris pour l'autre artiste, toujours dans le studio avec l'autre artiste. Et nous travaillons, mais nous vivons. Mm-hmm. OK. C'est là, on a pratiquement pas mettre un bout avec Chita Balé nous pour aujourd'hui, Jeff. Est-ce que j'ai un sujet là pas abordé avant, mais mon vidéo on va résoudre. So, ma vie dit monyo que nouveau musique moins vidéo qui c'est moins envie sorti et que pour y aller découvrir musique ça, partager, commenter, faire de série de l'autre monde découvrir musique ça et supporter travail là parce que c'est pour yo me faire et donc faut que enjoy li, faut que faire l'autre monde enjoy it tout. Merci beaucoup Jeff parce que tu as accepté l'invitation nous et nous souhaitons pas dernière fois la recevoir là un ticket. Merci beaucoup, merci Cindy et me suis vraiment content de parler ça et ben c'est que c'est pas dernière fois nous. Merci beaucoup. Et voilà, c'était Jeff Prosper, Jeff qui gagne yon musique avec toute vidéo qui est disponible sur YouTube. Donc capable aller regarder li musique ça qui est moins envie. C'est là nous mettons un bout à l'émission nous pour aujourd'hui. Merci un peu à nous-mêmes qui t'ap gardé. Merci à l'équipe technique là, Gerdi, Abdon, Lunette. Merci à Gaël Alexis pour le maquillage là. Et moi-même, si nous disons que nous avons rendez-vous pour une prochaine fois. Bye bye tout le monde. À bientôt.